Alors nous étudions maintenant la plus simple des applications affines qu'il soit, c'est la translation. Donc dans un espace affine, on appelle translation de vecteur U. Alors U, c'est un vecteur qui appartient à la direction de l'espace affine. Ici, j'appelle grand E cette direction. Donc la translation, c'est une application de A vers A qui, au point M, associe le point M' égale M plus vecteur U. C'est une application affine et sa partie linéaire, c'est l'identité de E. En démonstration, si je prends un point A, son image A' égale A plus vecteur U et M un autre point de A, et dire que M' est égal au translaté de M suivant le vecteur U, ça équivaut à dire ça, c'est-à-dire que M'M', vecteur M'M' égale vecteur U, ce qui équivaut à dire, puisque j'ai la même chose hein, avec A, A' égale vecteur U, donc ça équivaut à dire que M'M', vecteur M'M' égale vecteur A'. Et puis là, en utilisant Schall, on obtient évidemment une autre égalité, un classique d'un parallélogramme, c'est que A'M' est égal à vecteur AM. Et donc dire que M' est l'image de M, ça équivaut à dire que M' est égal à A' plus vecteur AM qui n'est rien d'autre que l'identité de AM. Et ça, ça dit bien qu'on a affaire à une application affine et que sa partie linéaire, c'est l'identité de Donc, si F est affine, propriété, si F est affine, de A vers A, et que sa partie linéaire est égale à l'identité de E, alors c'est une translation, et c'est la translation de vecteur U égale AA', où A' est l'image d'un point A quelconque. En effet, dire ça, ça équivaut à dire que A'M' est égal à, et là je prends la partie linéaire de F appliquée en AM, c'est-à-dire AM, et donc ça équivaut, et là j'utilise encore Schall, cette égalité-là équivaut à dire que vecteur M'M' est égal à vecteur A'', autrement dit que M' est le translaté du point M suivant le vecteur A'. Donc F est bien la translation de vecteur A'. Les translations sont bijectives et la réciproque de la translation de vecteur U, c'est la translation de vecteur moins U. Démonstration, je prends F égale translation de vecteur U. Sa partie linéaire, c'est donc l'identité. Et l'identité est une bijection. Donc F est bien bijective. D'autre part, la partie linéaire de la réciproque va être égale à la réciproque de la partie linéaire, donc réciproque de l'identité, qui est l'identité. Donc ça veut dire que, puisque la partie linéaire de F-1, c'est l'identité, ça veut dire que F-1 est une translation. Donc F-1 est une translation. Bon, j'aurais pu me passer d'écrire ça. Je sais là, à ce stade, que c'est une translation, mais je ne sais pas. Je ne sais pas laquelle, en fait, je sais laquelle. Si je prends un point A quelconque, son image c'est A', ben c'est la translation de vecteur A'. D'accord ? Alors bon, ce que je vais dire, oui, donc c'est une translation. Alors maintenant, quelle est la réciproque ? Eh bien, M' égale TU de M, ça équivaut à dire ça. Et ça, en prenant l'opposé, ça équivaut à dire ça. Et là, je vois clairement que M et l'image de M' dans la translation de vecteur moins U. Donc, la réciproque de la translation de vecteur U, c'est la translation de vecteur moins U. L'image d'une droite D par la translation de vecteur U est une droite D' parallèle à D. En effet, si D est la droite AB, la translation de vecteur U transforme A en A', B en B'. On a alors AA', vecteur AA' égale vecteur BB' égale vecteur U. D'où on tire facilement, c'est la règle du parallélogramme, mais sinon on applique Schall, que A'B' est égal à vecteur AB. Et vecteur AB, il n'est pas nul, puisque D c'est la droite AB. Donc vecteur A'B' non plus. L'image de la droite D par la translation, comme la droite D est engendrée par les points A'B', eh bien l'image va être engendrée par. Non, comme la droite D est engendrée par AB, l'image va être engendrée par A'B'. Or A'B', il engendre la droite A'B'. Donc ça veut dire que l'image de la droite D, c'est la droite A'B'. Elle est parallèle à D, puisqu'on a vecteur A'B' égale vecteur AB. Si ABCD est un parallélogramme, c'est le dessin,
Alors, on sait que vecteur AB égale vecteur DC et vecteur AD égale vecteur BC, ça nous dit exactement que C est égal à D plus AB. Non, c'est celui-là. Et que D est égal à A plus BC. Donc, le point C, c'est le translaté de D dans la translation de vecteur AB. Et le point D, c'est le translaté de A dans la translation de vecteur BC. Si les droites D et D' sont parallèles, que A appartient à D, que A' appartient à D', alors il existe une unique translation TU qui envoie A en A' et D en D'. Forcément, le vecteur U va être égal à A', puisque A est envoyé en A'. La démonstration est évidente, il existe une unique translation qui envoie qui envoie A en A', donc l'unicité est assurée. Quant à l'existence, eh bien, si je pose U, vecteur U égale à A', l'image de la droite D par la translation TU, eh bien, c'est une droite qui est parallèle à D et qui passe par le point A', puisque A' est l'image de A qui appartient à D. D'accord? Donc, TU de D va être parallèle à D et passer par A', c'est donc D'. Donc, c'est terminé. Expression analytique d'une translation, eh bien, si A, en dimension finie, bien sûr, est de dimension finie n supérieure ou égale à 1 avec ce repère-là. Si le vecteur U a pour coordonnées A1 jusqu'à AN dans la base U1 jusqu'à UN, si le point M a pour coordonnées X1 jusqu'à XN dans R, et bien son image M' aura pour coordonnées X'1 jusqu'à X'n, et on aura forcément M' qui est égal à N plus TU. Donc on aura pour chaque coordonnée X'K qui sera égal à XK plus AK. X'K égale XK plus AK, quel que soit K. Réciproquement, si on a une application F de l'espace A vers l'espace A définie par des relations comme ça, c'est-à-dire X'1 égale X1 plus alpha 1, X'2 égale X2 plus alpha 2, jusqu'à X'n égale Xn plus alpha n, eh bien alors, on va avoir F qui sera qui sera la translation de vecteur U, où U est alpha 1 jusqu'à alpha n, parce qu'en effet, à chaque xk, on rajoute alpha k. D'accord? Voilà. Propriété, si U et V sont deux vecteurs de la direction de l'espace affine, TU rond TV est égal à TV rond TU est égal à translation de vecteur U plus V. Et translation de vecteur nul égale l'identité de l'espace affine. On commence par ça, translation de vecteur nul, AM a fait correspondre à M plus vecteur nul égale M, donc c'est bien l'identité. Si j'applique au point M d'abord la translation de vecteur U, puis la translation de vecteur V, ça me fait bien la translation de vecteur U plus V, ou vecteur V plus U, c'est pareil. D'accord? Donc TV rond TU égale T de U plus V égale T de V plus U égale TU rond TV. Le TV rond TU, TU rond TV. D'accord? Donc là, les translations, elles sont commutatives. Hein. T est l'ensemble des translations de A. T rond est un groupe abélien isomorphe AE plus. Alors on prend cette application qui au vecteur U de E associe TU. Donc c'est un homomorphisme parce que phi de U plus V, c'est translation de U plus V. Donc c'est translation de U rond translation de V, c'est aussi translation de V rond translation de U. Et donc ça fait phi de U rond phi de V. Voilà. Et c'est bijectif parce que TU égale TV, voilà. C'est-à-dire que A plus U est égal à A plus V. Quel que soit le point A, et donc ça veut dire que U évidemment est égal à V, parce que ça veut dire que A', image de A, ici ça fait vecteur A' égale vecteur U, d'accord? Et puis est égal à vecteur V, donc ça fait donc que U est égal à V. Quel que soit T appartenant, quelle que soit la translation T, bah, évidemment il existe U tel que T égale TU. Donc, surjection, injection, bijection, c'est donc un
un homomorphisme bijectif, donc un isomorphisme, et donc comme ici on a un groupe commutatif pour l'addition, ici on a un groupe commutatif pour la composition. Remarque, translation de vecteur U est égale à l'identité si et seulement si vecteur U égale vecteur nul, et translation de vecteur U différent, non, vecteur U différent de vecteur nul implique que l'ensemble des invariants de la translation est égal à vide. Alors, ça c'est évident, TU égale identité, ça équivaut à M plus U égale M, quel que soit M, et donc ça équivaut à U égale 0. Alors ici, si U est différent, ici, si je prends M, qui a pour image M' par TU, si je veux que M' soit égal à M, parce que l'ensemble des invariants, c'est quand l'image est égale au point de départ. Donc M égale M', ça équivaut à vecteur MM', alors, est égal à vecteur U, mais ce vecteur MM', c'est le vecteur MM, donc c'est vecteur nul. Donc ça équivaut à U est égal à 0. Donc ça veut dire que si U n'est pas égal à 0, eh bien, il n'y a pas de point invariant. Et donc l'ensemble des points invariants de la translation est vide. On appelle groupe affine de l'espace affine grand A noté GA de A l'ensemble des applications affines bijectives, ça c'est très important, de A vers A. Il est non vide car l'identité appartient à ce groupe et on vient de voir que les translations font partie de ce groupe puisque les translations sont bijectives. Donc en fait, ce groupe muni de la composition est un. Non, GA muni de la composition est un groupe et l'ensemble T des translations munies de la composition est un sous-groupe abélien. Alors lui, il est abélien, mais l'autre n'est pas abélien. Hein? Parce que quand on compose deux bijections affines, on a F rong G, ben F rong G n'est pas forcément égal à G rong. Voilà, c'est donc un sous-groupe abélien de GA. Démonstration, ben, si FG appartient à GA, si F et G sont affines, G rong F est affine. Si F appartient à GA, elle est affine bijective, donc sa réciproque est affine bijective, d'accord? Donc elle appartient à GA. Et puis d'autre part, bah, F rond F moins 1, c'est l'identité. F moins 1 rond F, c'est aussi l'identité. Donc on a bien ça. L'identité, bah, c'est l'élément neutre, parce que identité de A rond F, c'est évident que c'est F. F rond identité de A, c'est F aussi, d'accord? Et l'associativité, bon, on est dans de la composition, donc ça marche. Quand on compose des applications, ça marche toujours, l'associativité. Hein, c'est-à-dire que H rond G rond F est égal à H rond G rond F. Donc on a bien un groupe, et puis on avait vu précédemment que T rond était un groupe, et puis comme T est inclus dans G, c'est un sous-groupe de GA. On voit maintenant une application affine, des applications affines très importantes. Il s'agit des homothéties. On se donne un point oméga et on se donne un rapport lambda, c'est-à-dire un nombre lambda réel non nul, ça c'est très important. Et on appelle homothétie de centre oméga et de rapport lambda l'application qui, à tout point M appartenant à A, associe M' égale oméga plus lambda oméga M. Autrement dit, c'est défini par la relation oméga vecteur oméga M' est égal à lambda vecteur oméga m, où lambda est un réel non nul. Alors, oméga est invariant. Si lambda est différent de 1, c'est le seul point invariant. La partie linéaire de H est lambda identité de l'espace vectoriel. T4, si lambda est égal à 1, H est l'identité de A. Et enfin, H est toujours bijectif. On va d'abord démontrer le petit 1. Ben, c'est évident. Hein, si je remplace m par oméga, ça fait oméga plus 0, donc ça fait oméga, il est invariant. Le petit 3, c'est celui-là, puisque oméga est invariant, je peux écrire oméga, vecteur oméga prime, m prime, oméga prime, c'est l'image de oméga, c'est lui-même en fait, hein, est égal à lambda oméga m, qui montre que, justement, la partie linéaire de H, c'est ça. D'accord? Donc c'est une homothétie vectorielle de rapport lambda. Alors, je réponds tout de suite au petit 5 parce que cette homothétie vectorielle de rapport lambda est une bijection parce que l'identité dans l'espace vectoriel est une bijection. Donc, H va être une bijection puisque sa partie linéaire est une bijection.
petit 2, si A est invariant, ben on doit avoir oméga qui est égal à lambda vecteur oméga, ce qui donne 1 moins lambda vecteur oméga est égal à 0. Mais comme 1 moins lambda est différent de 0 parce que j'ai supposé lambda différent de 1, ben à ce moment-là, j'ai A égale oméga. Donc si lambda est différent de 1, il n'y a qu'un point invariant, c'est le centre de l'homothétie. Petit 3, je l'ai démontré. Petit 4, si lambda est égal à 1, ben si lambda est égal à 1, alors petit 4, j'ai m' qui est égal à oméga plus oméga m, quel que soit m, et ça fait m. Et donc ça veut dire que l'homothétie est l'identité. Seconde propriété, f, une application affine dont la partie linéaire est une homothétie vectorielle de rapport lambda, donc ça veut dire d'ailleurs, hein, passage, lambda différent de 0, hein, j'aurais dû l'écrire, c'est lambda appartient à R étoile. Alors, si lambda est égal à 1, c'est une translation de vecteur U, si vecteur U n'est pas nul, c'est pas une homothétie, enfin F n'est pas une homothétie, et si vecteur U est nul, F est l'identité. Et à ce moment-là, c'est l'homothétie de centre n'importe quel point de l'espace et de rapport 1. Et parce que l'ensemble des invariants de f à ce moment-là est égal à tout l'espace. Petit 2, si lambda est différent de 1, h a un unique, alors c'est pas h, c'est f, a un unique point invariant qu'on va appeler oméga, et à ce moment-là, f est l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda. Petit 3, si f a un point, alors si f a un point invariant, alors f est l'homothétie. Si ce point invariant je l'appelle oméga, il n'est peut-être pas tout seul, hein, mais f est l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda. Il n'est pas tout seul si lambda est égal à 1. Démonstration. Eh ben, commençons justement par le cas lambda est égal à 1, la partie linéaire est égale à ça, donc c'est une translation. Si la vecteur de translation est différent de 0, ben, il n'y a pas de point invariant, donc ce n'est pas une homothétie, puisque dans une homothétie, il y a au moins le centre qui est point invariant. Et si U est égal à 0, bah, F est égal à l'identité. La translation de vecteur nul, c'est l'identité. Et ça, je peux dire que c'est l'homothétie de centre A et de rapport 1, quel que soit A appartenant à l'espace affine, puisque tous les points de A sont invariants là. Petit 2, si lambda est différent de 1, eh bien, je prends un point A, j'appelle A' son image. Dire que m est invariant, ça équivaut à dire que A', vecteur A'm égale lambda vecteur AM. Je décompose en A' plus AM et j'envoie AM de l'autre côté. Et je trouve tout de suite que vecteur AM est égal à 1 sur lambda moins 1, parce que lambda est différent de 1, vecteur A', et donc que GM est égal à ça. Et donc il y a bien un unique point invariant. Hein. Donc, unique point invariant, bah, puisqu'il y a un unique point invariant, je vais avoir m' égale f de m équivaut à m' égale oméga plus lambda oméga m. Hein. Ça, c'est le cours sur les fonctions affines. Hein. Et donc, quel que soit m appartenant à A, et donc ça veut dire que f est l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda. Et enfin, si oméga est invariant. Bah, si oméga est invariant, si j'ai un point invariant, bah, c'est pareil, j'ai toujours ce genre. Dès qu'on a un point invariant avec une application affine, on a ce genre de. On a la relation vecteur oméga m' est égal à partie linéaire de f en oméga m. Donc ça fait ça. Et donc ça montre que f est l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda. Voilà. Alors maintenant, nous voyons la composée de deux homothéties. H1, une homothétie de centre oméga 1 et de rapport lambda. H2, centre oméga 2 de rapport lambda 2, et on suppose lambda 1 et lambda 2 tous les deux différents de 1, parce que sinon, si c'est égal à 1, c'est l'identité. Donc la composée, bah, si c'est lambda 1 qui est égal à 1, la composée, ça va nous faire H2, et si c'est lambda 2 qui est égal à 1, la composée, ça fait H1, donc il n'y a rien à dire, quoi. Donc on suppose ça. Si lambda 1, lambda 2 est égal à 1, alors la composée H2 rond H1 est une translation, d'accord, de vecteur oméga 1, H2 de oméga 1. D'accord? Voilà. Alors, petit 2, si oméga 1 est égal à oméga 2 est égal à oméga, hein, j'appelle oméga, donc ce point, eh bien H2 rond H1 va être l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda 1, lambda 2. Enfin,
fois, si lambda 1 et lambda 2 est différent de 1, et que oméga 1 est différent d'oméga 2, on va voir pourquoi je veux ça, H2 rond H1 est l'unique point, il y a un unique point invariant, et donc oméga, H2 rond H1 est le motécite centre oméga et de rapport lambda 1 lambda 2, et ce centre oméga, il appartient à la droite oméga 1, oméga 2, c'est pour ça que j'ai pris oméga 2 différent de oméga 1. Démonstration, la partie linéaire de H2 rond H1, c'est la composée des parties linéaires, donc ça fait cette homothétie vectorielle. On sait que si le rapport de cette homothétie vectorielle est égal à 1, bah, on sait que H2 rond H1 est une translation. Pour savoir quel est le vecteur de translation, mais on remarque que oméga 1 pour image oméga 1 par H1, puis H2 de oméga 1 par H2. Donc la translation, c'est oméga 1, H2, oméga. Petit 2. Si oméga 1, alors oméga 1 égale oméga 2 égale oméga, bah, oméga va être invariant par H1, puisque c'est oméga 1, et par H2. Donc il va être globalement invariant. Donc on a une homothétie vectorielle là, de rapport lambda 1 lambda 2 avec un point invariant. Donc on a démontré avant qu'à ce moment-là, H2 rond H1 est l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda 1, lambda 2. Petit 3, si lambda 1, lambda 2 est différent de 1, donc là on sait aussi qu'on a une homothétie, enfin qu'il y a un unique point invariant oméga, qu'H2 rond H1 est l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda 1, lambda 2. Puisque, alors oméga va avoir comme image oméga prime par H1, et comme H2 rond, par H2 rond H1, on doit revenir en oméga, c'est-à-dire qu'oméga prime a pour image oméga par H2. Donc on a la relation vectorielle oméga 1, oméga prime égale lambda 1, oméga 1, oméga, et oméga 2, oméga égale lambda 2, oméga 2, oméga prime. Et ça, ça fait lambda 2, oméga 2, oméga 1, puis là, chal, donc plus oméga 1, oméga prime. Alors lambda 2, oméga 1, oméga prime, ça fait lambda 2, lambda 1, oméga 1, oméga. Et donc après, ben, j'ai plus qu'à mettre oméga 1 là-dedans. Donc ça me fait oméga 1, oméga, qui est égal, et j'envoie un oméga 1, oméga 2 de l'autre côté, c'est ça, qui va être moins lambda 2, oméga 1, oméga 2, plus lambda 1, lambda 2, oméga 1, oméga. Et puis ensuite, je mets celui-là avec celui-là, donc ça me fait 1 moins lambda 1, lambda 2, oméga 1, oméga est égal à ça, et après ben, j'ai plus qu'à diviser et j'obtiens oméga 1 est égal à ça, ce qui me montre bien que, alors je peux hein, parce que lambda 1, lambda 2 est différent de 1 hein. Et je l'ai supposé, et donc je vois tout de suite que oméga appartient à la droite oméga 1, oméga 2. Remarque, si M a pour image M' dans l'homothétie de centre oméga de rapport lambda, alors oméga M et M' sont alignés à cause de cette relation vectorielle. C'est aligné au sens large, hein, les points peuvent être confondus. Si ABC sont deux A2 distincts et alignés, il existe une unique homothétie de centre A qui envoie B en C, tout simplement parce que il y a un unique réel lambda non nul, vérifiant AC est égal à lambda vecteur AB. Parce que vecteur AB est différent de 0 et que vecteur AC est différent de 0, donc il y a un unique lambda vérifiant ça. L'image d'une droite D par l'homothétie de centre oméga et de rapport lambda est une droite D' parallèle à D. Si oméga appartient à D, la droite D' est confondue avec la droite D. Si lambda est égal à 1, H est l'identité, donc D' égale D aussi. Si lambda est différent de 1 et que oméga n'appartient pas à D, alors D' est différent de D. Donc c'est du vrai parallélisme, D' inter D égale vide. Petit 4, D' est différent de D si et seulement si lambda est différent de 1 et oméga n'appartient pas à D. Démonstration, bah, les homothéties sont des bijections, donc elles transforment des droites en des droites. Donc la droite AB en une droite A'B'. Mais ici, on a A'B', vecteur est égal à lambda vecteur AB, donc elles ont la même direction, et donc D' parallèle à D. Si oméga appartient à D, la droite D est donc une droite oméga A, avec A qui est différent de oméga. Hein, A qui est...
Alors, des primes, la droite des primes, ça va être la droite image, donc oméga prime A prime, donc oméga A prime. D'accord? Donc c'est la droite oméga A prime. Alors, ou A prime est l'image de A. Oméga A prime est égal à lambda oméga A. Donc ça veut dire que A prime appartient à D. Donc la droite des primes est définie par deux points de la droite D. Donc D prime égale D. Petit 2, lambda est égal à 1. Bah, on a l'identité, D prime égale donc D. Petit 3. D est égal à une droite AB, donc elle pour image A'B' parallèle à AD, et on a ces hypothèses. Supposons que, alors, A' n'appartient pas à B. Sinon, A' appartiendrait à AB, A A'B serait aligné. Mais on sait que oméga A A' sont alignés. Et A est différent de oméga. Donc A' est différent de A. D'accord? Donc oméga appartient à A'. Et donc la droite A' se trouve être la droite AB. D'accord? Donc c'est-à-dire se trouve être la droite D. Parce que AA'B sont alignés. Donc la droite AA', c'est la droite AB. Donc la droite D, ce qui est faux, parce que oméga n'appartient pas à D. Donc on a D' différent de D, et A' n'appartient pas à D. Donc ça veut dire que D inter D' sont vides. D'accord? Petit 4. Si A appartient à D. Oméga n'appartient pas à D, sinon on aurait D' qui serait égal à D. Alors là, ce que je veux démontrer, c'est que ça implique ça. Donc oméga n'appartient pas à D, sinon D' égale D, on l'a démontré avant. Donc A a pour image A' qui appartient à D'. D' est différent de D, mais D' est parallèle à D. Donc D inter D' est égal à vide. D'accord? Donc A' n'appartient pas à D. Donc A' ne peut pas être égal à A. Donc lambda est différent de 1. Car, ah oui, lambda est différent de 1 parce qu'on a oméga A' est égal à lambda oméga A, mais A est différent de oméga. D'accord? Et A est différent de oméga, donc A' est différent de A. Bon, A est différent de oméga parce que tout simplement parce que A, il appartient à la droite D, et oméga n'appartient pas à la droite D. Voilà. Donc j'ai démontré que ça impliquait ça. Non, que ça impliquait ça, et j'avais démontré avant que ça impliquait ça. D'où l'équivalence. Propriété suivante, si D et D' sont deux droites distinctes parallèles, donc strictement parallèles, du plan affine, attention, du plan affine, je suis dans le plan, et si oméga n'appartient pas à D inter union D', alors il existe un unique homothétie de centre oméga et de centre oméga hein, et de rapport lambda qui envoie D en D'. En effet, A appartient à D, si je prends A appartenant à D. Eh bien, si H existe, oméga n'appartient pas à D, n'appartient pas à D, et lambda est différent de 1. Et lambda est différent de 1 parce que sinon, alors c'est ce qu'on a démontré là, hein, D' différent de D, lambda différent de 1, et oméga n'appartient pas à D. D'accord? Alors là, on a deux droites distinctes. Donc si elle existe, on a bien ça. A, oméga, A' sont alignés. Et A' appartient à D'. Donc A' est à l'intersection de A, oméga et de D'. C'est ça qui est ici. Droite parallèle, A qui appartient à D, son image appartient à A'. A', c'est l'intersection, effectivement, de oméga et de D'. Alors, on a vu qu'il existe une unique homothétie de centre lambda qui envoie A en A'. Donc il y a unicité de H. D'accord? Il y a unicité de H. Ce n'est pas de centre lambda, c'est de centre oméga, pardon. Il y a une unicité de centre oméga qui envoie A en A'. Donc il y a un unique coefficient, un unique rapport qui fait qu'il y a une unique homothétie qui envoie A en A'. Donc, si cette homothétie qui envoie D en D' existe, elle est unique.
Alors maintenant, montrons qu'elle existe. Ben, considérons l'homothétie, je prends donc A appartenant à D. Considérons cette unique homothétie qui envoie A en A' égale. Qui envoie A en A'. Pourquoi est-ce qu'elle envoie D en D'? Ben, tout simplement parce que H de D doit être. On sait que H de D va être parallèle à D. D'accord? Mais H de D passe par A'. Donc, ça va être la parallèle à D passant par A'. Donc, c'est la droite D'. Hein, puisque c'est la droite D', elle est parallèle à D passant par A'. D'accord? Donc, j'ai H de D égale D'. C'est ce que je voulais. Remarque, l'image d'un point de A appartenant à D, ben, ça, c'est ce que j'ai dit avant. L'image de A appartenant à D, c'est A' égale A oméga inter D'. Et une dernière remarque qui n'a rien à voir pour finir, mais j'ai oublié de le dire, puis ça me servira avec Thalès, le jour où on verra Thalès, si H est l'homothétie de centre oméga de rapport lambda, et si A est un point différent de oméga, alors A, H de A égale A' équivaut à rapport de l'homothétie égale à mesure algébrique de oméga A' sur mesure algébrique de oméga. Démonstration. A' égale H de A, ça équivaut à dire que oméga A' est égal à lambda oméga. Alors, donc, ces points oméga A, A', ils sont alignés. Et j'ai choisi A différent de oméga. Donc, je m'intéresse à la droite oméga, sur laquelle j'ai des mesures algébriques, parce que j'ai un repère. Et donc, ça, c'est équivalent à dire que mesure algébrique de oméga A' est égal à lambda mesure algébrique de oméga A, ce qui équivaut à dire, puisque A est différent de oméga, donc ça c'est non nul, que lambda est égal à mesure algébrique de oméga A' divisé par mesure algébrique de oméga A. Conséquence, l'ensemble H des homothéties n'est pas un groupe pour la composition. Remarque, si on prend une homothétie de centre A de rapport lambda non nul, hein, pour que ce soit une homothétie, il faut que lambda soit différent de 0, eh bien, elle est inversible et sa réciproque, c'est l'homothétie de centre A de rapport 1 sur lambda. Ça, c'est immédiat. M' est l'image de M par H qui est seulement si ça. Et ça, ça équivaut à dire ça. Et donc, on voit que M est l'image de M' par l'homothétie de centre A de rapport 1 sur lambda. La réunion H union T de l'ensemble H des homothéties T des translations est un groupe pour la composition qu'on appelle le groupe des homothéties de translation. Et F appartient à ce groupe si et seulement si sa partie linéaire est lambda identité ou lambda est différente de 0. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on réunit les homothéties et les translations, eh bien, les homothéties de rapport 1, bah, c'est l'identité, d'accord ? Et il y a les autres, qui sont les vraies homothéties, j'allais dire. Donc réunir les homothéties et les translations, ça revient à réunir les homothéties de rapport différent de 1 et les translations, puisque l'homothétie de rapport 1, c'est une translation qui est l'identité, en fait. Donc, dans les translations, il y a l'identité et les translations de vecteurs non nuls. On rajoute les homothéties de rapport différents d'un. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Bah, tout simplement parce que si F est une homothétie, sa partie linéaire est comme ça. Si c'est une translation, elle est comme ça. Dans les deux cas, elle est comme ça. Réciproquement, si la partie linéaire est comme ça, eh bien, soit lambda est égal à 1, et à ce moment-là, c'est une translation, soit, bah, c'est même, oui, c'est une translation, et soit lambda est différent de 1, et dans ce cas-là, on sait que c'est une homothétie. Donc, équivalence. L'identité, c'est la translation de vecteur nul, donc ça appartient à l'ensemble des homothéties translation. Si F est une homothétie ou une translation, elle est inversible, parce que la translation de vecteur U est inversible, et son inverse, c'est la translation de vecteur moins U. Et puis, on vient de voir que c'est vrai aussi pour les homothéties. Et donc, F moins 1 existe, et donc appartient à H union T, et si F et G appartiennent au groupe des homothéties de translation, F, sa partie linéaire est de cette forme, la partie linéaire de G est comme ça, la partie
linéaire de giron F s'obtient en composant les parties linéaires, donc on obtient ça. Lambda mu est différent de 0 parce que lambda est différent de 0 et puis que g est différent de 0. D'accord? Et donc, on a giron F qui appartient à H rond T en utilisant ce qu'on a démontré avant. Et donc, c'est bien un groupe. Alors, le groupe évidemment des translations, qui lui est même un groupe abélien, est un sous-groupe de ce groupe-là. Et le groupe des homothétiques translations est évidemment un sous-groupe du groupe affine parce que les homothétiques comme les translations sont inversibles. D'accord? Donc ce sont des applications affines, ce sont des applications affines bijectives. Proposition, si on compose une homothétie rapport différent de 1 et une translation de vecteurs non nuls, eh bien on obtient des homothéties de rapport différents de 1, mais il n'y a pas commutativité. G rond F n'est pas égal à F rond G. Démonstration, eh bien on prend c'est toujours la même chose, on considère la partie linéaire de G rond F qui est égale partie linéaire de G rond partie linéaire de F, et donc ça fait. Pour la partie linéaire de G, ça fait identité rond lambda identité, donc ça fait lambda identité, avec lambda qui est différent de 1. Donc G rond F est une homothétie de rapport lambda, idem pour F rond G, je vous laisse le faire. C'est la même chose. Enfin, pourquoi est-ce que G rond F est différent de F rond G? Ben, A a pour image A, puisque A est le centre de l'homothétie. Et A a pour image B par la translation de vecteur U, donc vecteur AB est égal à vecteur U non nul. Donc A est différent de B. Voilà. Alors A a pour image donc B par G par la translation et B a pour image B' par l'homothétie. Donc on a B' égale A plus lambda vecteur AB. Alors B' n'est pas égal à B parce que si B' était égal à B, on aurait vecteur AB égale lambda vecteur AB avec vecteur AB qui n'est pas nul et donc on aurait lambda égale à 1, ce qui est faux. Donc on a F rond G de A qui est différent de G rond F de A, et donc on a F rond G qui est différent de G rond F. Conséquence, le groupe affine n'est pas commutatif, parce que ce groupe-là des homothéties de translation n'est pas commutatif, puisque on vient de voir que quand on compose une homothétie de rapport lambda différent de 1 par une translation de vecteurs non nuls, ben, il n'y a pas commutativité de la composition. D'ailleurs, on aurait pu le démontrer autrement parce qu'il n'y a pas non plus la commutativité quand on compose des homothéties de centres distincts et de rapports différents de 1. Ce n'est pas commutatif non plus. Exemple, je prends F, l'homothétie de centre A, rapport lambda, G de centre B, de rapport mu, A différent de B, lambda différent de 1, mu différent de 1, A, évidemment, a pour image A, par F, qui a pour image A' par G, avec BA', vecteur BA' égale mu vecteur BA. Alors, A' est différent de A, bien sûr. Hein. Il est différent de A parce que vecteur BA n'est pas nul. Donc, sinon, on aurait vecteur BA égale mu vecteur BA. Et comme vecteur BA n'est pas nul, parce que A est différent de B, ben, on aurait mu égale 1, ce qui est faux. Donc, on a A' différent de A. Alors, maintenant, je pars de A. Je lui applique d'abord G. J'obtiens donc A', et ensuite, je lui applique F. J'obtiens A seconde, avec A A seconde, qui est égal, vecteur A A seconde, qui est égal lambda vecteur A A'. Mais lambda est différent de 1. Donc, l'ensemble des points invariants de F, il est réduit à A. D'accord? Il est réduit à A. Comme A' est différent de A, A' n'est pas un point invariant. Donc A seconde va être différent de A'. Donc G rond F de A, c'était A'. F rond G de A, c'est A seconde. Ils sont différents. G rond F de A est différent de F rond G de A. Donc G rond F est différent de F rond G. Maintenant, la représentation analytique d'une homothétie dans un repère R de l'espace grand A de dimension n supérieure ou égale à 1. Si je considère l'homothétie de centre oméga donné par ses coordonnées et de rapport lambda
Donc lambda différente 0. Le point M de coordonnées XK aura pour image le point M' de coordonnées X'K avec les X'K qui sont égaux à oméga K plus lambda facteur de XK moins oméga K. C'est la traduction directe de oméga M' est égal à lambda oméga M ou encore de M' égale oméga plus lambda oméga M. Évidemment, en simplifiant et en posant alpha k est égal à oméga k moins lambda oméga k, j'obtiens une relation de ce type. Dans le même repère, si f est une homothétie translation, donc soit une homothétie, soit une translation, eh bien, on a les relations x'k égale lambda xk plus alpha k, quel que soit k égale 1 à n, où lambda est différent de 0, en effet. Si f est une translation, bah il suffit de prendre lambda est égal à 1 et on a xk plus alpha k, donc translation de vecteur u alpha 1 jusqu'à alpha n. Et si f est une homothétie de rapport oméga, non, de centre oméga et de rapport lambda différent de 1, on a vu qu'on avait aussi une relation de ce type. Toujours dans le même repère, si c'est la réciproque, hein. Si f est une application de a vers a qui aux x fait correspondre des x', de tel que x'k est de la forme lambda xk plus alpha k avec lambda différent de 0, quel que soit k allant de 1 à n, alors f est une homothétie ou une translation. En effet, si lambda est égal à 1, bah c'est bien une translation de vecteurs de coordonnées les alpha k. Et si lambda est différent de 1, ben il faut d'abord chercher un point invariant, donc xk est égal, moi je l'appelle oméga k, égal lambda oméga k plus alpha k, et je trouve facilement que oméga k est égal à alpha k sur 1 moins lambda, et je trouve l'unicité, d'accord? Et puis après, ben une fois que j'ai écrit que mon oméga k, que j'ai oméga prime k est égal à lambda oméga k plus alpha k, comme j'ai x'k qui est égal à lambda xk plus alpha k, par soustraction, je vais avoir x'k moins oméga prime k qui sera égal à lambda facteur de xk moins oméga k. Autrement dit, avec mon point oméga ici, je vais avoir tout de suite que oméga m' est égal à... Enfin, que ça, c'est équivalent à dire lambda oméga m', vecteur oméga m' égale lambda vecteur oméga m, quel que soit m. Et en plus avec lambda différent de 1, ce qui veut dire que f est l'homothétie de centre oméga et puis de rapport lambda. Donc en fait, ce qui caractérise les homothéties et les translations, ce sont des relations analytiques de ce type. Un cas particulier d'homothétie, c'est la symétrie centrale. Donc toujours dans l'espace affine, on prend un point A. On appelle symétrie centrale de centre A l'homothétie de centre A et de rapport K égale moins 1. C'est donc l'application SA qui, à tout point M de l'espace affine, associe le point M' défini par M' égale A moins AM. On dit que M' est le symétrique de M par rapport à A. Donc on a vecteur AM' qui est égal à moins vecteur AM, ce qui équivaut à dire que A est le milieu de MM'. La partie linéaire de SA, c'est donc moins l'identité de la direction de A. SA est involutif car si AM' est égal à moins AM, eh bien AM est égal à moins AM'. Donc si M a pour image M', ben M' a pour image M par S. Donc ça fait SA rond SA égale identité et donc SA moins 1, c'est-à-dire l'application inverse de SA, eh bien réciproque de SA, c'est elle-même. Voilà, donc elle est involutive. Si je prends deux points A et B de l'espace affine, SB rond SA est égal à la translation de vecteur 2AB. Ça se voit bien sur un dessin. M a pour image M', M' a pour image M seconde. Puis on a un triangle avec la droite des milieux et vecteur MM seconde est égal à deux fois le vecteur AB. Alors, on peut le démontrer comme ça. M a pour image M' pour image M seconde. A M' est donc égal à moins AM, BM seconde égale moins BM', M vecteur MM seconde est égal à vecteur MA plus vecteur AB plus vecteur BM seconde, le vecteur MA il est égal au vecteur AM' plus AB,
BM seconde, il est égal à moins BM prime qui fait plus M prime B. AM prime plus M prime B, ça fait vecteur AB. Plus vecteur AB, ça fait 2 vecteurs AB. Et donc, j'ai bien M seconde qui est égal à 2 vecteurs AB, quel que soit le point M. Et donc, ça veut bien dire que SB rond et ça est égal à la translation de vecteur 2AB. Théorème intéressant et très long à démontrer. Si la dimension de l'espace affine A est supérieure ou égale à 2, l'ensemble des bijections affines de A vers A qui transforment toute droite D en une droite D' parallèle à D, donc conservation du parallélisme, est H union T, le groupe des homothéties translation de A. Il faut voir que ce sont des applications affines qui sont bijectives. L'image d'une droite D est une droite D', et cette droite D' est parallèle à D. Démonstration. Soit F une bijection affine qui conserve le parallélisme. Premier cas, F a au moins deux points invariants. Donc, on prend deux points A et B distincts, ils sont invariants. Donc deux points fixes. On prend N n'appartenant pas à AB. Ce qui est possible parce que N est supérieur ou égal à 2. Donc je peux prendre un point qui n'est pas sur la droite AB. F de AM est une droite parallèle à AM, mais F de A est égal à A. Donc F de AM est égal à AM, et F de BM est la droite BM. M appartient à la droite AM. Je peux dire ça parce que AM n'appartient pas à AB, donc M est différent de A. Et M appartient à BM. Donc l'image de M appartient à l'image de AM intersection l'image de BM, c'est-à-dire AM inter BM, ce qui fait M. Parce que la droite AM n'est pas égale à la droite BM, parce que M n'appartient pas à AB. Donc F de M est égal à M, quel que soit M n'appartenant pas à AB. Maintenant, si M appartient à AB, on prend C qui n'appartient pas à AB, on prend I milieu de AB, donc il va de MC, donc il va être différent de M, il ne va pas appartenir à la droite AB, I aura pour image I, IC aura, C aura pour image C, IC aura pour image IC, A pour image A, B pour image B, donc AB a pour image AB, donc classique AB inter IC a pour image AB inter IC, qui fait M, puisque AB et IC sont sécantes en I en M, donc F de M est égal à M, quel que soit M appartenant à AB, comme ça marchait quel que soit M n'appartenant pas à AB. On a donc F qui est égal à l'identité de A, dans ce premier cas. Deuxième cas, F a un unique point invariant O, on fixe A différent de O, on prend M n'appartenant pas à O, O a pour image O, et F de O est parallèle à OA, mais elle doit passer par l'image de O qui est O. Donc ça veut dire que OA', c'est l'image de A, la droite OA' est égale à la droite OA. De même, la droite OM' est égale à la droite OM. Et comme AM est envoyé en A'M', A'M' est parallèle à AM. Par ailleurs, A est différent de O, donc A' est différent de A, puisque O est le seul point invariant. Et O est différent de A', alors O différent de A, donc quand on applique une bijection, c'est A' différent de l'image de O, donc A' différent de O. De la même façon, M' différent de O et M' différent de M. Voilà, donc on est dans cette configuration-là, exactement dans celle-ci, d'accord. Et M, et M est différent de M', par exemple, parce que M n'est pas égal à O, donc M n'est pas invariant. A est différent de A' aussi. Alors on est exactement avec ces vrais triangles, et on peut appliquer Thalès, et on a OM' qui est égal à lambda OM, et OA' qui est égal à lambda OA, donc l'homothétie entre O et le rapport lambda, envoie A en A', M en M'. Alors maintenant, si je prends M appartenant à O, parce que là j'étais avec M qui n'appartenait pas à O. Donc maintenant, si je prends M appartenant à O, eh bien je vais avoir OM qui sera égal à alpha OA. Donc OM', puisque c'est une application affine, qui sera égal. Alors, O' M' est égal à alpha O' A', mais O' c'est O, donc ça fait ça. Et je remplace OA' par lambda OA, parce que je sais que c'est égal à lambda OA. Et donc j'obtiens que OM' est égal à alpha lambda OA, mais comme alpha OA, ça fait OM, donc ça fait lambda vecteur OM.
Donc M', eh bien l'image du point M par l'homothétie que j'avais ici. Donc en fait, H de M est égal à F de M, quel que soit M appartenant à A, et donc F est une homothétie. Dans ce deuxième cas. Premier cas, c'était l'identité, ici c'est une homothétie. Troisième et dernier cas, il n'y a pas de point invariant, on fixe O, on appelle O' son image, M n'appartenant pas à O', M' l'image de M, F de O' est une droite parallèle à O', passant par l'image de O qui est O'. Donc ça veut dire que F de O' est égal à O', et de même, F de MM' est égal à MM'. Si oméga, s'il y avait un point en commun entre ces deux droites, donc point oméga, alors on passe aux images, oméga M' appartiendrait à l'image de O', c'est-à-dire O' inter MM', d'accord? Mais il faut bien voir que M n'appartient pas à O', hein. Donc O' est différent de MM'. Donc O', la droite O' inter MM', est égale au point oméga, elles sont sécantes en oméga. D'accord? Et donc oméga prime va être égal à oméga. D'accord? Et donc ça ferait que oméga c'est invariant, ce qui est impossible, puisqu'on est dans le cas où il n'y a pas de point invariant. Bon. Donc de ça, j'en déduis que O' et MM', intersection à MM', ben, c'est fait vide. D'accord? Donc, alors, elles sont vides. Mais là, pour le moment, je ne peux pas en déduire tout à fait qu'elles sont parallèles. Elles sont vides pour le moment. M n'appartient pas à O'. Oui, non, c'est pas ça. OM est parallèle à O'M'. D'accord? Donc OM, O'M' sont coplanaires. Donc ces deux droites là, O'M, M', elles sont dans un plan et leur intersection est vide, donc elles sont parallèles. En réalité, je suis dans cette situation. J'ai la droite O'. Il faut laisser tomber P et Q pour le moment qui vont servir après. J'ai O'O' qui est parallèle à MM' et j'ai OM qui est parallèle à O'M'. D'accord? Et en fait, j'ai un vrai parallélogramme, parce que O est différent de O', M est différent de O, et M' est différent de O'. Et donc, j'ai un vrai parallélogramme. Et de ce vrai parallélogramme, j'en déduis que le translaté de M dans la translation de vecteur O' est égal à M', quel que soit M n'appartenant pas à O'. Alors maintenant, si je prends un point, je ne l'appelle pas M, je l'appelle P, pour conserver le schéma ici, et P appartenant à O'. Et je garde un point M qui n'est pas dans O'. Donc, je vais dire que P, j'appelle Q, M plus OP. Autrement dit, je me débrouille pour que vecteur OP soit égal à vecteur MQ. Hein? Alors ça m'assure que Q va être aussi sur la droite MM', puisque P est sur O'. D'accord? Voilà. Donc GOP est égal à MQ. Donc je vais avoir O'P' est égal à M'Q'. Donc j'utilise chat, ça me fait O'P plus PP', vecteur est égal à M'Q'. Mais M'Q', ce qu'il faut voir pour M'Q', c'est que Q', ça va être le translaté de M dans la translation de vecteur O'. Comme M', d'ailleurs. Et donc, propriété des translations, M'Q' va être égal à MQ et va être égal à MQ. D'accord. Et MQ, ça fait OP. Et donc, je vais avoir quoi? Quand je fais passer ça de l'autre côté, j'obtiens que vecteur PP' est égal à O. Un vecteur O'. Et donc l'image de P par la translation de vecteur O' est égale à P', quel que soit P appartenant à O'. Et comme c'était vrai, quel que soit M n'appartenant pas à O', je trouve que c'est vrai pour tout point du plan. Et donc F est la translation de vecteur O'. Dans le premier cas, on avait obtenu l'identité. Le deuxième cas, une homothétie. Là, j'obtiens une translation. Donc on est bien dans le groupe des homothéties. Translation.